ministre de planification, je ministre à viol, comment c'est fait avec communio, l'exercice 16-17 là, pour 17-18, parlementaires, entendre avec, et bien reste élu, Kazek, AZ, délégué de ville, magistrat, pour l'argent abouti, la communion pour développement pays qui a effectivement commencé par la base. C'est encore une fois une occasion extraordinaire. Nous ne pouvons pas suspendre, remercier le président Jovenel pour ça et Mandel continuer dans ce sens ça. Parce que l'avenir pays n'y a pas l'autre côté, messieurs, dames, de la décentralisation. Il y a une section communale, il y a une communion. Encore une fois, président Jovenel, dans notre tout magistrat, dans notre toute collectivité, nous nous remercions DG, nous nous ministre Renaldo, merci pour le support. Continuez comme ça et pays à avancer. Merci beaucoup. Nous comptons en pile. Le noté recevoir nouvelle là, lundi dernier, nous rencontrons FINAM avec le président de la République. Nous avons profité pour nous dire, président, merci. Mais nous avons profité pour nous dire tout. Il y a une quantité sous 140 mairies qui joignent, une forte quantité qui ne joignent pas, et qui ont même manifesté désir pour joindre tout. Président qui était très réceptif et très cordial pour être capable de faire propreté en deux pays. Président, nous remercions parce que vous comprenez aujourd'hui, enfin, collectivité territoriale, c'est base de développement en dans pays d'Haïti. Section, commune, tout merci parce que enfin, nous voyons que vous décidez d'accompagner nous dans le travail nous, en dans collectivité et pour nous porter bon genre développement. Président, nous avons que Saint-Marc en particulier. Il y a une grande ville dans le département là, Thibonite. Remercions parce que à partir de matériel ça qui tout près maintenant. J'ai l'impression parce qu'elle tout près qui faisait moi bail pas l'avant. Donc merci parce que vous va aider nous. Bataille contre Fatra dans la commune Saint-Marc. Bon côté pas nous Saint-Marc pour faire effort parce que nous avons au moins deux consacres qui sont bloqués à venir avec un bako. Et c'est magistrat principal Nicolas Dorvilus qui est déplacé à l'États-Unis fait achayo et au sous l'eau y a venu. Sous base ça dans nos moun Saint-Marc, dans nos conseils Saint-Marc là, n'a tout profité mando et FENAM va accompagner nous pour que on capable parler avec ministre finance là qui capable accompagner nous dans dédouanement matériel ça rapidement pour que nous capable joindre pour bail service. Nous tout merci président, n'a continuer travailler dans collectivité yo avant tout 10 présidents association départementale mêlé avec tout magistrat qui est dans le pays pour bien pour remercier et pour dire on continue de travailler ensemble pour le développement collectivité. Merci beaucoup. Depuis limonade, limonade, depuis d'exister, c'est là que c'est pour la première fois dans l'histoire nous, président Banou, il fait comprendre le pays ça. Depuis 1904, nous avons pile problème. Mais c'est chaque jour que je mettais le travail, ma tête à coup, la souhait, à souhait, pour voir comment arriver, je suis tout petit. Yo. Président, actuellement, je ne vais pas parler là. Mon limonade déjà campé par moi, qui séparait quartier Morin et limonade d'Aptanouin avec Fofa pour recevoir Vini Maïsa Gessler avec compressif ça. S'il vous plaît, tout militant, frère Maxime, qui comprend Haïti, c'est pour nous tous. Nous avons travaillé pour nous changer, nous avons mené, c'est pas là que c'est pas, tête ensemble. Nous avons collé par le président, toujours. Parce que, on ne peut pas faire un pile petit, pas qu'à côté manger, pas tout petit de mon seul coup. C'est jour après jour, pied après pied, pays construit. Président Jovenel, Haïti Raymond, monde qui visionnaire Raymond, et nous-mêmes collectivité, Maïssa, Kassak, nous tous nous Raymond, nous avons fait route là ensemble. Donc merci, merci, que vous aimez nous. Et collectivité là avec vous. Merci président Barou. Cérémonie de remise et camion compressif à en quantité mairie, en quantité commune dans le pays. Moi-même, en tant que magistrat commune à Cul du Nord et président de l'association magistrat au Nord, secrétaire général FENAM, m'a pris courage pour me capable vraiment remercier le président Moïse, Jovenel Moïse, qui décidait. Fait bel bagaille ça, bel travail ça, avec mairie dans le pays. Et je dis,
Je prends le micro en tant que magistrat la CUL, mais nous tous qui attendons là, la commune à CUL du Nord, pas de camion compressif. Mais c'est un geste pour me féliciter. Et en plus, monsieur le président du département, nous avons trois communes dans le département qui ont un camion compressif, qui sont capaïtiens que nous tous connaissons, qui sont vraiment dans un état déplorable avec la question Fadra. Nous profitons du président merci pour ce qu'elle te fait déjà, pour te soulager, ville capaïtien, qui te pris mal et qui ralentit souffle, mais avec ça qui vient compléter là, a fait nous plus bien toujours. Mairie de Limonade, se parler là, c'est la première fois ça fait dans l'histoire, côté que commune de Limonade, pour aller un camion pour brote Fadra. Nous avons une commune de Limbé qui c'est une grande ville encore, qui pas de jambes de camion pour ramasser Fadra. Dans notre département de là, nous vraiment dit président merci. Dans notre fédération nationale magistrat, nous dit merci. Et malgré la culture nord, pas gagné, est-ce que je dis malgré le bourreau gagné? Je suis un jour quand même pas gagné. Mais malgré la commune à culture nord, pas gagné, je ne suis pas capable de féliciter le président. Et je profite parler avec l'autre collègue magistrat, l'autre commune qui n'a pas de chance de recevoir là. Et moi-même, c'est un exemple. C'est un exemple qui est clair. Monsieur le président du département, monsieur Zamion président, ou quatre gardes, ouais, à culture n'a pas la donne. Et c'est là encore ma félicité président Jovenel Moïse. Le fait que, même pendant le travail avec Mérion, il n'a pas cherché des amis. Ça avait dit un pile bagaille. Président est cabrélé, tout le magistrat a dit un petit bon gérer les amis. Si le président a géré les amis, je ne sais pas, je ne sais pas, dire ça, président. Je suis le premier magistrat qui a bien compris. Bon, mais quand même, il faut que nous félicitions ça. Et ça, c'est aussi vraiment que le président a pensé à pays, il n'a pas pensé à Ticlan, il n'a pas pensé à Zami. Reste commune qui est derrière yo. Nous, là, nous avons supporté le président, nous avons supporté le gouvernement. On joue nous bien compréhensif. Et si nous ne rien, nous avons mis tête en nous ensemble pour nous sauver le pays ensemble. Parce que les choses sont difficiles. Tout le monde ne peut pas jouer ensemble. Tout le monde ne peut pas jouer tout. Si nous tous jouons tout, on joue. Bravo pour ça. Mais si nous ne pouvons pas jouer ensemble, nous, là, nous solidaires. Vive la République. Virage là, les fêtes. Jodi, c'est 2 août 2018. Au mois d'août 2017, comme ça, vous avez une décision que vous avez commandé équipement pour équiper tout le pays. Ça veut dire. Département Nord-Est, département Nord, département Nord-Ouest, département Timonite, Centre, l'Ouest, Sud-Est, NIP, Sud, Grandance, avec équipement. Tout département ça aujourd'hui, il y a un travail qui a fait sur eux. Dans la même occasion, ça, nous avons réfléchi pour nous dire, mairie, yo pas de capacité pour yo ta payer un camion tant qu'un camion magistrat Saint-Maclasodil son camion coûte presque plus que 30 millions de gouttes par exemple. Est-ce qu'on a commandé au mairie dans ti maigre sous que la vendre pour lui même pour l'acheter un camion comme ça jodi li poko gen moyen ça pays a. Dans 140 communes qui ont des magistrats, je ne crois pas qu'il y a 10% de yo qui ont des capacités, qui sont capables de mettre la tête. La collectivité a le problème. Le pouvoir central, c'est Wally. Wally, c'est arriver à accompagner la collectivité dans la mission pour la population qui est dans la commune service. Ou pas qu'à décider, ou aller dans l'élection pour venir diriger le pays, ou aller dans l'élection pour venir diriger la commune, ou aller dans l'élection pour venir diriger la section communale, le monde a un problème pour ne pas avoir de réponse pour lui. Je dis à ce rôle nous. Rôle pas nous, c'est prendre charge là. Charge là, nous connaissons les lois en pile. Mais c'est mettre le sous de nous.
toutes l'autre élu magistrat kazek yo qui c'est eux même c'est administrateur commune à section communale c'est ça yo. C'est pour prendre charge même gens nous mêmes comme président pays aujourd'hui nous te prend charge pour nous dire volume fatra que pays a produit c'est pour pays qui produit fatra parce que tout pays qui gagne dans le monde là et pourtant ou vire à droite ou on pile fatra ou vire à gauche ou on l'autre pile fatra moi exemple département l'ouest région métropolitaine n'en produit presque 3000 tonnes fatra chaque jour. Là, je parle de région métropolitaine, nous comprenons. Je parle de Kafou pour arriver à Kouadébouke. Et pourtant, la capacité de terrain pour ramasser Fatra, là, nous-mêmes, nous arrivons sous pouvoir, mairie Port-au-Prince, pas de gagner un seul camion Fatra. Mairie Port-au-Prince. Mairie Port-au-Prince, commune, ça, pour compte lui. Les produits environ 1450 tonnes fatra. Les pas gagne yon camion fatra. Gon premier effort qui fait, nous doté mairie Port-au-Prince de près de 5 équipements. Vle parler de 2 compressifs, 2 bascules, un chargeur pour charger camion. Effort qui fait, mairie Port-au-Prince. Je te gen chance par l'acte magistrat, nous chita nous travail, les joignent en pile coup de main dans le niveau au mairie dans les États-Unis qui bali presque une dizaine de camions compressifs. Je dis à mairie Port-au-Prince qui a plus passé 14 équipements pour ramasser Fatra. Mais dans l'équipement, ça y est là, dans le gros compressif, ça y est, mairie Port-au-Prince qui a 2 là-dedans. Encore. Mettez sous salle de rien. C'est pour venir en mairie dans la zone métropolitaine. J'ai plus de capacité pour qu'un bien commune propre. Mais il ne faut pas oublier. Le problème qui vient dans le pays, depuis 30 dernières années, côté monde, on est que Fatra, c'est poison. Fatra, pas qu'il doit vivre même côté avec monde. Le on mairie, il a une capacité pour ramasser Fatra. Il va la comparer avec quelques mesures. Tout. Citoyens, nous pas de droit pour aller jeter Fatra dans la rue, ça te qu'on fait longtemps. Mairie, on parle de nous qui jouent qu'il y a passé dans chaque zone. Fatra, on est obligé de kember pour le camion passer pour nous porter Fatra pour nous-mêmes y aller jeter côté l'État mettait pour ça. Ça veut dire, ville qui était comme ça longtemps, ville ça yo, yo pral propre jodi. Mais opération ville propre ça, li pa ta ka fait sans support pouvoir central là. J'en ose dit, capacité de yo, li pa permettre yo, ta capable pendant 4 ans mandat yo, t'es arrivé à acheter équipement pour te permettre de ramasser Fatra comme ça doit être fait dans la commune. Mais à part de ramasser Fatra, je voulais parler avec les jeunes qui vivent dans la commune. Même si je suis arrivé au Cap-Haïtien, je suis rencontré un groupe de jeunes. Ils ont monté une entreprise. Ils ont commencé à faire engrais, c'est ça où les composts là. Avec Fatra. C'est ça que m'encourage tout jeune. Même gens avec deux jeunes que je rencontré au Cap. Il y a un qui est un gestionnaire. L'autre là, son agronome qui a une formation dans l'environnement et qui prend formation dans le pays étranger. Ils mettent tout ensemble, ils ont monté l'entreprise. Je dis à ils ont commencé à gérer Fatra que la ville au Cap a fait. Même gens ça fait dans la ville au Cap, je demande à tout magistrat. À côté de Fatra qui ont été considérés comme une menace, je dis à Fatra, ça a les gens doivent vivre dans l'opportunité. Jeunes qui vivent dans la commune, qui attendent là. Mais ils ont une grosse opportunité.
opportunité que nous avons. Côté nous qui travaillons avec mairie la caille nous. Modèle qui gagne dans la ville au Cap-là. Alchita avec jeunes. Ça qui a passé dans la ville au Cap-là pour nous-mêmes, jeunes, qui vivent dans la ville, ou en même. Ça qui vivent dans le terrier rouge, dans le trou du nord, dans le caracol, dans la limonade, l'embé, dans le port de paix, dans celui du nord. Ça qui vivent dans Gonaïve, dans Saint-Marc, dans Hinche, dans Mimalais. Ça qui vivent dans Port-au-Prince, dans Croix-des-Bouquets. Ça qui vivent dans Pétionville, dans Keskoff, dans Cité Soleil, dans Carrefour, Gressier, Léogane. Jeunes qui vivent dans Petit Gouave, dans Miragouane, dans Jacmel, dans Okaï, dans Jérémy. Tout côté qui jouent camion aujourd'hui. Commencez à Alchita à mairie la caille. Espoir pour demain, nous et nous pour commencer à créer. L'État, là, commence à faire gros efforts. Conditions, c'est pour nous-mêmes, jeunesse, là. Nous capables de venir prendre. Parce que, dans le niveau ministère commerce, je dis, il y a des possibilités, là, où fin monter en entreprise, surtout dans le domaine, ça, opportunité, ça, là, pour que l'État accompagne ou joue un crédit. Crédit qui permet tout. Monter entreprise ou. Entreprise qui permet de vivre avec famille, qui permet de vivre avec tête ou l'autre orientation, qui vient dire aujourd'hui, ou capable avec Fatra, ou de bon point, ou de bon jeté, ou qu'a fait compost pour vendre moun qui fait agriculture. Quel monde qui fait agriculture, qui a gardé, qui a tendu là, qui connaît chaque carotère qu'on travaille chaque année. Ou besoin en moyenne 9000 tonnes de compost pour un carotte. Ça veut dire nous, combien de carotte qui est dans le pays d'Haïti qui travaille. Jeunesse là. Mais voilà nous aujourd'hui. Fatra ça qui était une menace pour nous. Comment nous prenons le travail pour nous convertir en opportunité? On nous prend l'exemple en ville de Port-au-Prince qui produit environ 1500 tonnes de fatra par jour. Qui quantité de fatra dans 1500 tonnes qui a fait comme boss? 72% la donne. Mais opportunité. Quelle bonne l'autre opportunité que le pays a offert. Songez, nous sortir dans le mois de juin, nous sommes ouverts centre incubateur dans le Ciné Triomphe là. Qui a une capacité pour former jeunes qui dans la nouvelle technologie. Travail à fait pour que Internet là, j'en nous connais, je dis à Haïti dans la troisième génération, mais quand pile les fois qu'on fait pour nous passer dans la quatrième génération, pour nous Internet qui est plus bon à travers 146 communes pays. Parce que je connais. Magistrat qui là, yo même la caille par yo, yo y a des jeunes qui sont très intelligents, des gens qui ont commencé à faire des applications, qui font des programmes à partir de nouvelles technologies. Mais pour ça arriver fait, il faut avoir un bon internet. Pour ça arriver fait, ce n'est pas là où n'importe où presse seulement, ou besoin ouvert en page web ou qui a ouvert le Port-au-Prince, là où il va trop dire non, pas capable. Ça, je dis, nous travaillons pour que le pays, dans toutes 146 communes, ait Internet correct, pour que la jeunesse là, reprenne l'espoir dans le pays. Pas de personne qui va changer Haïti pour vous. Ou même, qui peut gagner 30 ans, qui va garder là. Personne ne peut changer le pays pour vous. C'est vous pour changer. Parce que Haïti, c'est dans mon boulier. C'est pas l'heure, il y a des gens qui choisissent deux mots qui sont plus difficiles. Qui a détruit le pays, qui a ravagé. Il y a un qui a les mensonges, l'autre qui a les méfiances. Deux mots, c'est pour nous marcher loin. Yo. La jeunesse, nous n'avons pas de méfiance. C'est pour nous arriver quoi? Dans le monde, quoi dans les Haïtiens pareil? Nous. Parce que si nous avons besoin de un pays meilleur dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Compressif, ça, c'est nos leaders des autres. Mais même moment, nous avons réfléchi. Compressif, yo pas de fête parce que yo sorti juste Japon. Tout compressif ça nous est là. Ça prend un an pour compressif yo. Le projet a fini bien réfléchi.
Pendant 6 mois, yo prend un an pour arriver là. Ça me dit, on projet comme ça qui l'a jodi a, il prend 18 mois de l'aile réfléchir à l'aile venir réaliser. Pas quitter personne qui vient dire nous que futur nous, c'est pas jodi a pour nous commencer. Futur nous, c'est pas demain. Nous allons commencer, c'est maintenant, c'est jodi a pour nous commencer futur nous. C'est pour ça, moi dis nous tout. Jeunes garçons, jeunes femmes qui vivent dans Port-au-Prince. Jeunes garçons, jeunes femmes qui vivent en province. Nous tous, nous devons connaître la participation nous, dans le pays que nous voulons construire aujourd'hui. Pays côté nous prend décision pour que les routes qui construisent pour les communes interconnectées, yon ak lòt. C'est pour rêve li. C'est pour rêve qui est dans Kampere là. Kampere côté moun te kon marche dans roche. Kampere côté les ravine vini. Glo kon prend tout moun en bacan. Jodi a, Kampere ton nom ville côté moun ta vin fete la donne. C'est pour rêve li. Son réalité li. C'est pour promesse li. Son réalité li. C'est travail. C'est ça nous te promet tout. Et c'est travail ça c'est li n'a continuer faire. Même j'en décision nous prend dans affaires agriculture dans pays. Nous prend décision pour que pays nous dotel de bureau agricole communal. Pour qui ça? C'est parce que agriculture pas qu'a fait. J'en entendé me dit mais comment pour mettre terre, rivière, soleil là, ak moun yo ensemble. J'aime te dire là, pour le peuple là qui a joué de manger dans l'assiette et l'argent dans la poche, là, mais camper de elle. C'est pour ça barrage irrigation Marion a construit dans le nord-est. Pour construire un barrage irrigation, on a besoin de faire études géophysiques et géotechniques. Ça, il prend un pile. Pour construire un barrage irrigation, on a besoin de faire excavation, ça veut dire pour fouiller réservoir côté de l'eau pour le Cyril. Ça, les mandants pile temps. L'eau fin fait, qu'on y a, faut mettre de l'eau ça, ou faire canal pour la louise pleine côté pas qu'on j'aime jouer une glorie. Ça veut dire, là pour faire de l'eau ça arriver sous tête pas qu'on joue une glorie, faut pomper. À qui soit pour le pomper avec soleil là. C'est ça me dit, c'est lui m'a fait. Moi je voulais jodi a pour nous ça. Faut nous connaître que jodi a pays nous voulons construire dans 25 ans, nous pas qu'à construire dans craser brisé. Nous pas qu'à construire dans méfiance, nous pas qu'à construire dans mensonge, nous pas qu'à construire dans voyer monter, nous qu'à construire dans sérénité. Nous qu'a construire dans stabilité, nous qu'a construire dans palais yon ak lot, nous qu'a construire dans remè yon lot. Pays pa konn construire dans rayi moun. C'est pour ça décision que m'pran pendant 17 mois de pouvoir, moi prend décision pour m'aller dans des travaux structurels dans pays. M'prend décision pour me construire route dans tout pays. Même Jean ça a fait dans le département sud-est. Route qui a construit, qui a sauté Jacmel en passant par la montagne, qui a tombé Bené pour voir le côté de fait. Route qui a construit, qui a sauté Marigot pour passer Perredo, Fonjan Noël pour descendre Belance. Même Jean ça a fait dans le département sud. Route qui a construit pour aller Maniche. Route Saint-Jean du Sud. Route qui a fait Méridien du Bois. Ça y est. C'est pas bagaille qui va durer 5 ans, 10 ans. Yo va durer des décennies. Pays a jodi a bouquet ak son poudrage. Pays a bouquet ak moun kap fè menti. Pays a bouquet ak moun ki pa fè l'autre moun confiance. Pays a bouquet. Pays a vle pour haïtien ka gade yon l'autre nan yeux pour nous dire mais qui direction nous vle bay pays nous. Nous vle bay pays nous direction côté Haïti. Gagne bon gens infrastructure pour petit ne commencer travail dans agriculture pour produire manger, travail dans industrie côté j'en nous dit le pays a lumière 24 sur 24 pas qu'à on rêve pour haïtien dans 21e siècle. Nous pas qu'à arrêter pour un bon peuple intelligent comme ça, un peuple qui connaît ça qui bon comme ça
et puis pour nous mener dans la direction Fenois. Direction courant 24 sur 24, c'est direction Limiel. Direction Moun qui parle courant 24 sur 24, c'est direction Fenois. Nous-mêmes, c'est dans la direction Lumière, nous mener le peuple. C'est là nous disons nous mener. Et c'est là nous voilà. En pile joie, en pile fierté que nous venons là aujourd'hui pour nous présenter nos nouveaux images Malta Ashland. Et si nous regardons bien dans trois derniers mois qui sont passés là, je crois que c'est la troisième fois que nous réunis. Nous sommes réunis pour Turbo King, nous réunis pour le lancement de nouveau étiquette prestige là, et Kounien pour Malta H. Ça montre nous que Brasserie, Jean Laptavère là, il a toujours amélioré le service, amélioré le produit et a toujours continué à innover. Parce que nous avons des clients, nous parlons avec les clients, nous avons des consommateurs, nous parlons avec eux. Et dans optique pour nous continuer à brasser la joie chaque jour dans la vie chaque haïtien. Et j'ai expliqué hein, et nous continuellement à chercher à improver et améliorer et technique de brassage nous ingrédients que nous utilisons dans produits nous ensemble avec et aider population en même temps pour grandir ensemble avec nous. C'est pour ça que vidéo a montré nous que nous utilisons petit mi local dans et Malta Ashland et n'a essayé d'année en année améliorer et agrandir programme ça pour nous camarader encore plus agriculteurs pour plus de participer là-dedans, pour améliorer la vie en Haïti chaque jour. Et si je vais nous une histoire de Malta H, je vais regarder l'évolution étiquette pendant l'année. Malta H, c'est un produit que Brasserie a gagné qui l'a plus longtemps, il a gagné 40 ans. Et plus que 40 ans, 43 ou bien 42 ans, bah, c'est ça. Et nous regardons que les nous fait introduire le produit en Haïti, le Malta Heineken. Pour qui ça? Parce que c'est un produit que Heineken a créé et a brassé en Haïti, mais sans alcool, 100% naturel. Et en 1988, et Heineken a décidé que le patap fait et Malta Heineken encore. Et Brasserie a lui-même dit que le produit a été tellement un succès dans le pays, hein, que le consommateur était tellement aimé, que lui a dit que lien possible pour ne pas continuer à produire. Donc, un geste symbolique, Heineken vend nous et recette Malta Heineken là, pour $1. Et nous-mêmes, nous changeons nous, nous étions Malta H et H l'an veut dire Haïti. Donc, Malta, c'est seul Malta qui brasse en Haïti. C'est seul produit Malta 100% naturel et sans alcool qui fait en Haïti. Et sous regard l'évolution étiquette là, dernière année, nous essayons d'améliorer l'image et étiquette là. Mais qu'on y a là, qui ça nous décide de faire? Nous parlons avec consommateurs nous, et nous tendons et nous voyons que nous besoin une image qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus actif. Et pour ça, et nous te chita en pile avec consommateurs nous et nous te demandé qui ça comment tu as aimé ouais Malta Ashland qui j'ai aimé ouais évolution ça même et un mot qui sensible mais une révolution parce que Malta a changé complètement et image a changé complètement couleur a changé complètement nous ouais ça et sous image que nous gantons là déjà yo. Et nous décidé que et nous t'as changé positionnement Malta tout côté que nous parler de et nous parler de la joie, nous parler de caring, nous parler de wellness. Ça veut dire c'est encourager et consommateurs nous encourager peuple pour les gain une boisson qui sain, qui naturel, qui plein vitamines côté que les gain le choix que les pas obligé à boire un bagage qui gon paquet de produits chimiques là-dedans mais les gain choix que le cap un produit qui 100% naturel qui bon pour lui et qui apporte en pile et vitamines pour lui chaque jour. Donc nous changer et image complètement. Moi fier pour me présenter nous aujourd'hui un travail colossal que nous réalisons avec Malta H. Donc nous ca ouais sur bord gauche c'est ancien étiquette là, il était pas anti gens trop sérieux. Donc là nous fin parler avec consommateur, nous ouais qui ça voulait, nous dit OK, nous va aller fait en façon pour nous plus près. C'est pour ça nous venons avec une nouvelle étiquette qui plus dynamique, plus belle, plus frais. Avec une belle couleur orange, nous capable cap dominer, nous est très content, nous est la joie que nous voulons porter à consommateur. Couleur crème nan, qui naturel qui vient en corée recette 100% ingrédients naturels que nous gagnons à Malta ensemble avec petit mi local. Malta H là, divine en façon qui plus élégant. J'en ai regardé, j'en ai écrit à l'évin plus élégant. C'est
tankou li nan vent ensemble avec branche Maltio tankou c'est capo monter. Donc ça inspiré bon bourade que Malta H bay consommateur li yo pour yo capable avancer nan journée yo nan la vie yo. Et c'est ça qui vient rejoindre croyance Malta H là qui c'est la santé, c'est potomitan qui permet ou vivre la vie ou pi bien. Et en tout, ou ka wè résultat final là, c'est tout simplement vivre avec Malta H. Ou ka wè n'importe qui leur tout temps tout côté li bon pour tout le monde. Donc m'pense que m'fier pour me présenter nou tagline lan tout qui c'est vivre avec Malta H. Nou capable wè tout sur écran. OK, et tous les deux bouteilles yo vinn gen même étiquette. Même étiquette pour qui ça parce que c'est même produit qui dans bouteille c'est même liquide là même recette là donc nous vinn uniformiser tous les deux et option bouteille que nous gagnons sur marché là nous gagnons tout et matériel que nous va mettre matériel de visibilité que nous va aller mettre dans la rue pour capable informer consommateur yo mais changement que nous gagnons c'est même Malta H que on a n'a gagne poster tout côté n'a gagne billboard qu'on nous va introduire tout six pack dans market yo côté de moun vle acheter 6 bouteilles on 6 pack y a capable jwenn opportunité acheter tout et en fait compte et toujours kembe ça dans tête nous vivre avec Malta H. Merci. Programme ça c'est un programme de 5 ans. Objectif là c'est formation. So nous te gen but pour nous former 18 000 agriculteurs pour yo ka faire un petit mi de bon qualité pour yo ka augmenter rendement petit mi que yo fait dans même et morceau terre pour nous même nous ka acheter dans mer. So jusqu'à date nous dans dernière année petit programme là jusqu'à date nous former plus que 16 000 agriculteurs dans programme là. Question bataille pour mauvaise semence qui était entrée dans pays qui distribué dans toute zone qui fait du Rio qui pas de douane qui entrée dans contrebande forme dit que population artibonicienne yo déposé en plainte et plainte ça li déposé dans tribunal Saint-Marc et bien droit tribunal là prend un juge d'instruction que le voyer dossier hein, et avocat eh bien paysan victime yo te mandé que pour juge là l'idée li pas pour pas continuer ouais parce que juge ça que yo choisi hein, eh bien juge là li gen relation avec yon nan moun que yo cité non qui distribuer semence là donc yo te mandé juge là pour retirer col juge là bien sûr li retirer col kounye là yo va le voir dossier bon l'ordre juge pour qu'on ca instruit dossier. En partant, nous connaît que ça qui est passé le 6 le 7 juillet, tu as en pile caille qui t'est boulé, en pile entreprise, eh bien nous connaît l'état haïtien qui va le dédommager. Eh bien monde qui perd le secteur privé des affaires. Eh bien tout député dans Vallée l'Artibonite doit être ensemble pour que nous mandé avec l'état aussi pour le dédommager producteur de riz qui pendant plusieurs récoltes qui perdit jardin. Il y a des gens qui perdent jardin parce que l'État, à travers le pays, il y a inondé jardin sans la pluie va tomber, sans pas de cyclone. Il y a des gens qui perdent jardin parce que le pays, pour une raison ou l'autre, il y a de l'eau en haut plateau central, il n'y a pas de canal là. Eh bien, tout jardin paysan est grillé dans 8 communes dans la vallée de l'Artibonite. Et paysan encore, yo perdu jardin parce que mauvaise semence que Natcob introduit hein li a tiré rat et mais rat ravager plantation yo et faut dire jusqu'à présent rat a ravager plantation paysan dans vallée et peut-être ça gagne une association planteur qui mettait yo ensemble yo relé yo des planteurs victimes de la vallée de l'Artibonite que ce soit de inondation que ce soit de sécheresse que ce soit de rat. Yo mettez ensemble, yo gagné pour yo faire une marche pacifique. Et jodi an nous alerter la presse que bral yon marche pacifique jeudi cap 16 août là dans Vallée l'Artibonite. Y a commencé marche ça Kafou Pay pour que yo mette tête yo dans devant barrière ODVA qui représente le ministère de l'Agriculture côté que bal adresser non seulement avec l'État haïtien pour yo dédommager pour yo réparer yo. Il y a adressé aussi avec l'ANATCOM pour que dédommager yo pour que yo réparer yo.
Donc, ça, nous-mêmes, que ce soit député Renal Exantus, que ce soit député Gérard Paul Loméus, que ce soit député Baudelaire, que ce soit moi-même, eh bien, nous allons accompagner les producteurs et nous allons demander à toutes planteurs victimes dans la vallée de l'Artibonite. On nous met tête ensemble pour que Maïs Salka réussisse, en façon que Jean l'État va dédommager le secteur privé des affaires, pour que dédommager nous, pour que nous réparer nous, pour tout dégât qui causé dans la vallée de l'Artibonite, côté que nous perdu, eh bien, toute récolte que nous gagnons. Les nègres, c'est son lieu commercial, gain en pile commerce qui fait. Mais c'est presque chaque semaine, il y a cassé boutique, cassé des magasins qui existaient. Et des fois, magasin yo cassé yo dans tout près commissariat. Donc ça vient de faire que, alors, gain en commissariat, c'est vrai. Mais nous avons remarqué que gain et pas gain effectif. Bon problème d'effectif dans le commissariat. Donc ça veut dire pas qu'à bail commissariat à toute cause parce que nous avons parlé avec le commissaire là, il expliquait que il y a seulement 13 policiers et que 13 policiers pas capables de faire deux groupes de travail. Donc ça veut dire s'il pas qu'à faire deux groupes de travail, il y a un problème d'effectif. Donc et moi-même message que je voulais lancer message à directeur général police nationale là. Donc et pour le connaître que Fondenègre, nous avons besoin de policiers donc, qui pour sillonner la commune. Donc ça veut dire que c'est une commune côté que Gampil large à brasser la donne. Donc, puis faut que les commerciaux fassent, des commerciaux vivent. Donc, nous avons besoin de policiers qui pour quadriller les zones, donc qui pour bailler la sécurité possible. Président, pourquoi décider sur choix nouveau Premier ministre et choix formation gouvernement? Ça a préoccupé comme député de Côte de Fer qui sortit non commune, qui dans une situation difficile avec une sécheresse dans trois derniers mois. Pays a connaît une sécheresse qui est exagérée et malgré nous dans la période de pluvieuse, n'est pas rien la pluie. Et si vous n'avez pas la pluie au mois d'avril, mai, juin, ça veut dire pas une récolte maïs dans le pays. Donc c'est catastrophique et nous avons une période cyclonique. Donc surtout, nous parlons au milieu du mois d'août, la période cyclonique ou une saison cyclonique la plus active. Et nous avons rentré des classes qui peuvent arriver. Malgré ça, donc, nous avons une situation d'insouciance. Autorité qui doit décider pour que nous ayons un gouvernement, donc nous ne sommes pas préoccupés. Et moi-même, comme député, ça préoccupe moi-même. Et nous lancer un appel à tout concerné pour que au plus vite, nous fassions choix de un premier ministre, formation un nouveau gouvernement qui est capable de adresser problème pays qui de jour en jour a vint puis compliqué. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un PM qui mieux connaît pays, qui a une compétence et qui a un leadership pour capable d'adresser les problèmes. D'accord, autant de noms parce que vous là. Moi, j'entends des noms, même des noms sur les réseaux sociaux. Depuis que le président Pokoré, le président Chambre députée a Pokoré, le président Sénat, donc c'est Poko officiel. Le départ de M. Jovenel Moïse n'est pas une solution définitive au problème du pays. Néanmoins, il permettra de jeter les bases d'une refondation de l'État-nation à travers la mise en place d'un dialogue national ouvert et inclusif, la Conférence nationale haïtienne souveraine. Il ne s'agit pas de nouveau Rachet Manioc, mais d'une solution de sagesse. Pas de chasse aux sorcières, ni d'autres droits que je m'y mette. Tous les Haïtiens doivent participer à cette reconstruction toujours différée du tissu social. Agenda d'action. Au niveau politique, le départ anticipé du président Jovenel Moïse du pouvoir et son remplacement par le président de la Cour de cassation de la République, ou à défaut par le vice-président de cette Cour, ou à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien, et ainsi de suite par ordre d'ancienneté. Le départ du président Moïse entraînera automatiquement la dissolution du Parlement caractérisé par la corruption générale de la grande majorité de ses membres.
dénoncé, décrié et avili par la population pour son inefficacité et sa servilité au pouvoir exécutif. Le premier ministre du gouvernement est issu du secteur démocratique et populaire. Le président de la République et le premier ministre s'engagent. Le président de la République, le président provisoire de la République et le premier ministre s'engagent à former un gouvernement inclusif et représentatif des différents secteurs de la vie nationale. Les membres de la collectivités locales, maires et CASEC, restent en place pour continuer à fournir des services de proximité à la population. Dans le délai de 30 jours de l'installation du gouvernement, le Premier ministre, en consultation avec le président provisoire de la République, conduit les négociations devant aboutir à la formation du comité d'organisation de la conférence haïtienne souveraine, la mise en place du secrétariat technique du dit comité, les institutions étatiques prévues par la nouvelle constitution adoptée au cours des assises de la conférence nationale souveraine seront mises en place par le gouvernement de transition. Le mandat du président provisoire de la République et du gouvernement est de 36 mois, à compter de la date du départ de M. Jovenel Moïse. Certaines mesures doivent être envisagées et mises en œuvre durant la période de transition. Justice et sécurité. Réalisation du procès Petro-Caribé et celui des autres cas de corruption. Harmonisation des rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Augmentation du budget du CSPJ. Conditionner le renouvellement des mandats des juges sur la base d'efficacité et de la qualité des décisions rendues. Finaliser le vetting des magistrats. Faire revenir dans le meilleur délai l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme. Améliorer les conditions de travail des magistrats assis et debout, ainsi que des autres membres du personnel judiciaire, salaire, carrière, avantages sociaux. Depuis longtemps, j'ai toujours parlé de gouvernement de consensus, gouvernement de salut public, mais c'est bien malheureux. Généralement, gouvernement de consensus public, et pas jamais arriver à jouer un rôle comme ça doit être. Ça ne veut dire pas là, c'est que le président toujours cherche des ministres qui ont un contrôle, ou bien des ministres qui ont choisi, il n'y a pas jamais de marge de manœuvre, donc il n'y a pas jamais arriver à délivrer marchandises. Mais nous-mêmes, dans le cadre de la politique, je ne comprends rien, nous parlons de plutôt un gouvernement d'entente nationale. National, ça veut dire que a gagné priorité cap définie claire avec les grands, on va dire les grands monstres de l'heure que n'a pas mentionné plus tard, et un agenda qui bien défini, une mission qui claire et une feuille de route qui claire. Et laisse ça, on a bien chance pour nous capable bail pays a un moyen plus capable mieux respirer. Et nous connaissons aujourd'hui à tout. Pendant que nous parlons du gouvernement d'entente nationale, mais pas oublier, il y a une branche d'opposition qui a souhaité plutôt chambardement général ou bien le départ du président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, ça nous dit, c'est que nous avons souhaité que c'est l'alternance politique là qui joue le rôle là. Nous avons souhaité que c'est le rôle, nous avons dit, c'est le jeu démocratique côté que c'est l'élection. Mais par contre, ça a arrivé que si le président lui-même lui font choix, côté que les pas voulez vivre, le vivre ensemble, d'accord, un partage réel du pouvoir, gagner sa que l'entente nationale sur les grandes priorités de l'heure, si c'est lui-même qui choisit pour l'aller, là ça, il faut donner la chance au président de laisser le pouvoir. Donc ça, c'est choix que lui-même lui fait. Et c'est une raison qui fait que le fait qu'on vit une situation spéciale, il y a un problème social, il y a un problème économique, on ne peut pas manger, on ne peut pas aller à l'hôpital. Parce que pas bon l'hôpital dans le pays actuellement. Quitte l'hôpital général, quitte l'hôpital de référence. Quitte l'hôpital Saint-Thérèse de la Caïmoun. Et en pile, l'autre côté qui nous concerte et nous parle, qui n'a pas de problème. Donc, si c'est comme ça que lié, il faut que le président lui-même ait une position de souplesse, une position responsable, certaine flexibilité pour le mettre à l'écoute de tout un chacun pour permettre que, effectivement, nous arrivions à gagner un pays. Je ne t'ai souhaité ça. Mais bon, bye. Qui...
MDH, Organisation pour la modernisation et le développement humain. Des conseils avec plus gros secteur populaire haïtien, Plan SPA, qui c'est Plateforme nationale secteur populaire haïtien. Nous entendons que le président Jovenel Moïse, peuple IA, Chita, avec tout secteur clé dans la vie nationale, là, pour faire choix de yon premier ministre Kapvin gouverner pays. Là. Nous souhaitons que PMSA ait en pile capacité pour répondre à critères. Un, il faut que c'est un PM qui ait une sensibilité populaire. Ça veut dire un PM qui connaît les peuples à grand goût. Il faut que c'est un PM qui ait des oreilles de la population. Il faut que l'Assemblée ait une même plateforme secteur populaire qui ne place pas. Mais PM ça pas jamais trempé dans aucun bagaille qui sale. Faut que c'est un PM qui est très compétent. Faut que c'est un PM qui a aidé le président Jovenel Moïse réussi à promesse 22 mois campagne il y a. Catastrophe 6.7 et 7.8 là qui t'a frappé pays, c'est à cause président Jovenel Moïse t'a abandonné base Lio qui t'a aidé le faire 22 mois campagne. Marché monté descend en bas gros flamme soleil avec la pluie sans un goût de l'esco. Ça fait pays a fait un déficit plus passé 1 milliard de dollars américains. Après 17 mois président sous pouvoir, nous militants nous constatons que situation économique nous vient plus mal. C'est ça que fait en pile jeune fille avec jeune garçon à partir quitter pays. Papil et Pamakon, avec toute force, avec toute compétence et avec tout diplôme, yo plaie bon fond en bas malet yo pour pays Chili et pays Brésil. Ça veut dire université a pas gain aucune valeur dans jeu leader nou yo. Tout ça yo passé en bas grand jeu parlementaire sans pitié. Grand manger ça yo et poche près là yo. Ça veut dire parlementaire yo échoué dans mission yo. Et tout ça fait dans cocodaille avec bourgeois coupion. Malfroi ça yo qui gè plus passé 40 l'année depuis ap sous ses 100 peuple haïtien. Dans sens ça, OMDH qui se branche plan SPA yo yon façon pour petit peuple la karale yo souffre. Pour nous fini, nous sermenté 7 fois 77 fois. Nous pas quitter pays en bay bourgeois coupion al parlementaire bêtise ça yo bluffé sans caractère yo malfaite sans conscience et menteur ça yo peuple a parlé faut président entendez peuple a parlé faut président entendez peuple a parlé faut président entendez vive Haïti vive OMDH vive Plan SPA. Dans souci pour sortir pays à dans situation Kachouboumbe li tombe là, nous même réseau supporter Jovenel Moïse dans Delma décider lever voix nous bien haut pour nous déplorer et puis dénoncer événement regrettable ça yo avec toute force nous. Et en même temps, n'a profité faire quelques recommandations à président Jovenel pour éviter une fois pour toute répétition forme violence ça yo. Dans ce sens, le réseau a demandé. Faut que le président Jovenel continue à être en contact permanent avec la vraie base Lio, même Jean l'a habitué à faire dans un moment difficile de la campagne présidentielle. Intégrer physiquement même réseau dans la formation gouvernement, parce que c'est nous qui croyons dans la belle vision et le projet président gagné pour la nation. C'est pour parlementaires rester dans le cadre de la mission qui s'est contrôlé l'exécutif là et faire bon genre loi pour prestige et intérêt nation. C'est pour président Jovenel Moïse choisir Jean Constitution Mandela, un premier ministre qui inspire confiance et qui sorti dans un trait peuple là. Faut que c'est un monde qui n'a pas aucun mauvais compte pour rendre avec peuple là. Et faut que c'est un monde qui pral faire complot contre président et intérêt pays là. Faut que c'est un premier ministre qui a dialogué avec tout le monde. Pour finir,
réseau supporter Jovenel Moïse a demandé président Jovenel Moïse pour le mettre canson dans taille pour mener pays à dans bonne stabilité, bon gens gouvernance et puis réaliser bon gens élection, Jean constitution mandé là. Un premier ministre qui est capable de faire équilibre entre et pouvoir et opposition. Un premier ministre qui a garanti pour résoudre le problème crise pays. Mais nous ne pas là nous-mêmes pour nous proposer un premier ministre, mais pour un premier ministre qui est capable de porter solution, qui est capable de tout résoudre la crise politique pays. Moi-même, comme un ancien parlementaire, l'aime garder les parlementaires, les gens à faire politique. Parlementaire pas à doué à demander président, poste premier ministre pour le voter. Parlementaire, peuple a déjà voté, c'est mandant peuple a croyé, c'est travail peuple a vient faire. Pas doit demander pour gagner mon dans gouvernement, parce que son pouvoir de contrôle croyé. À partir du moment où un parlementaire gagne ministre dans gouvernement, il n'est pas capable de faire travail, il quitte. Pouvoir de contrôle qu'il gagne, là il rentre dans l'exécutif, c'est un bagaille qui met le pays ça dans la troubaille politique, côté parlementaire tout, pas arrêter, pas même aller dans la séance, puis marcher dans le bureau ministre, ça coûte le pays à cher, ça fait tout, politique pays à pas marcher bien. Lorsqu'on parlementaire, on doit arrêter pour parlementer. On pas gain droit proposer moun pour ministre, on pas gain droit ça. À partir du moment où on a nommé moun comme ministre, c'est quoi qu'on va marcher faire, oublier peuple là qu'il était bon travail pour faire. Ou là tout pour contrôler exécutif là, c'est travail ça qu'on fait. Depuis 15 l'année, n'a bataille de l'agent de redit fait en bas humiliation. Dans la rue, dans les véchailles, il y a nous qui te défait tout ça nous te possédé pour nous rentrer dans la coopérative. Il y a tout dans la diaspora qui a le coucouman, dans Freddy, Goumé ak Neige, pour venir porter l'argent dans la coopérative. Dans l'idée pour rejoindre la vie meilleure. Parce que vous attendez toute publicité, l'État a fait pour aller au Ménévini, porter tout ça vous te possédé, mettre dans la poche Grand Nègre ak Zotobré. Qui par contre nous les malheureux. Chaque pirate là, gen la dan yo qui sauvé. Gen tout. Cap si qu'il est libéré dans figu société victime coopérative, ça fait nous mal en pile. C'est peut-être ça, nous même société victime coopérative, fois ça, nous dit c'est trop à temps. Nous bouquer toute plume sous de nous lever camper, nous bouquer souffrir, nous bouquer vivre dans misère. Nous pas accepter personne monde changer condition vie nous. Pour plonger nous dans la misère à tout fond à travail dans mes dirigeants coopératives, une autre fois encore nous demander pouvoir en place là pour prendre responsabilité nous pour prendre responsabilité en faveur victimes coopératives. L'école là pral l'ouvrir, nous pas gain rien en main pour nous payer l'école a monté tête nègre chaque année. Corruption et impunité dans le pays a pas doué en farce, li doué en réalité. C'est ça que fait n'a invité nous-mêmes dans le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens pour que tout citoyen responsable et conséquent doit engager dans la bataille. C'est ça que fait nous dit fort richesse pays a partagé avec tout petit pays. Il y a plusieurs employés dans le ministère de l'Éducation nationale qui ont arrêté pour corruption. Nous apprenons aujourd'hui à relâcher, la justice relâché. Et transféré de direction de travail à l'autre direction. Le ministre a une explication pour le bail sous dossier ça.